Le chef de l'État Alassane Ouattara a décoré hier à Nice, en France, une décoration de l'Académie des sciences d'outre-mer. Construire le système de formation professionnelle et technique, le vœu du ministère de l'Emploi. Et puis les rebelles du M23 mettent fin à leur rébellion après avoir perdu la quasi-totalité du territoire dans l'est de la RDC. Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans le 12h30. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, a décoré hier à Nice, en France, une décoration de l'Académie des sciences d'outre-mer et en sa qualité de membre associé de cette académie, une société savante spécialisée dans les problèmes d'outre-mer. Le président Ouattara s'est prononcé sur le thème « L'Afrique dans le monde de demain ». On écoute le chef de l'État. L'émergence de nouveaux rapports de force après la guerre froide et de nouveaux pôles de puissance économique ont contribué à libérer le potentiel du continent et à accélérer ainsi sa constitution en acteur politique et économique majeur. La crise de l'économie mondiale et son impact sur l'Europe et les États-Unis confortent depuis lors cette position. C'est donc sur ces bases héritées de la fin du XXe siècle que l'Afrique est en train de construire son rôle et sa place au XXIe siècle. Honorables académiciens, honorables invités, mesdames et messieurs, en effet, sur ces 10 dernières années, je note que la croissance économique en Afrique, mesurée par l'augmentation du produit intérieur brut en termes réels, avoisine 5% l'an et qu'elle a été supérieure à celle de tous les continents, à l'exception de l'Asie. Sur 6 des 10 pays dont le taux de croissance est le plus élevé dans le monde se situe en Afrique. Parmi eux, la Côte d'Ivoire, avec un taux de 9,8% en 2012, pourrait réaliser un taux de croissance à deux chiffres à partir de 2015, consolidant ainsi son rôle de moteur de la croissance économique de la sous-région ouest-africaine francophone. La santé pour tous est-elle vraiment possible? C'est ce à quoi a répondu la ministre de la Santé et de la lutte contre le sida hier lors des grands rendez-vous de fraternité Matan. Raymond Goudou a fait le bilan de ses actions en 2013 et a exhorté la population et le personnel de santé à une meilleure collaboration pour la réussite du projet Santé pour tous. Gabriel Zani. Les problèmes du système sanitaire ivoirien sont nombreux. De la référence des malades à la réhabilitation des infrastructures, en passant par la responsabilité du personnel de santé, ce sont autant de questions que le ministère de tutelle ne peut résoudre en une année, même si cette année 2013 a été décrétée année de la santé. Ce lundi, invité au grand rendez-vous de Fraternité Matin, Raymond Goudou Kofi, ministre de la Santé et de la lutte contre le sida, a appelé à l'implication de tous. Je ne pourrai jamais, jamais améliorer le système de santé en Côte d'Ivoire si vous-même, chacun d'entre vous, lorsque vous vous rendez dans les structures sanitaires, vous ne réglez pas le problème qui se présente à vous immédiatement. Chacun d'entre nous doit être le ministre de la Santé, mandaté par moi. La santé pour tous est à ce prix, selon le ministre. Un processus long et difficile. Cependant, quelques-unes des nombreuses difficultés du département trouveront des réponses en 2014. 700 millions de francs CFA seront investis dans l'équipement pour renforcer le plateau technique des hôpitaux. 600 établissements sanitaires de proximité seront réhabilités en 2015 pour permettre l'accès des populations aux soins de santé. D'autres réformes sont également en cours. Il s'agit simplement de faire en sorte de respecter la pyramide sanitaire. Nous fréquentons d'abord les établissements sanitaires de premier contact. Ensuite, s'il y a une question chirurgicale qui se présente, nous allons à l'hôpital général. Et si cela nécessite maintenant un autre type d'expertise, nous allons au CHU. Alors, si ça, nous arrivons à montrer cela aux populations et que les populations arrivent à respecter, nous n'aurons plus d'engorgement au niveau de nos CHU. Le ministère de la Santé veut faire de la lutte contre la mortalité maternelle et infantile, de la fluidité dans les urgences des centres hospitaliers des priorités en 2014.
La réalisation de ces objectifs passera par des mesures fortes, selon le ministre de la Santé. Les personnes du troisième âge sont célébrées tous les 1er octobre. Cette année, la direction régionale des affaires sociales de l'ONG Boussole du Diabète ont organisé une rencontre à leur intention. Objectif, sensibiliser les personnes du troisième âge sur le danger de certaines maladies liées à l'âge, notamment le diabète. Le reportage de Grace Kando. Des retrouvailles entre Koulibaly Sangé, épouse Traoré, et son maître d'école primaire après plus de 30 ans à l'occasion de la Journée internationale des personnes âgées. À plus de 70 ans, ce dernier a su garder sa forme. Il est toujours jeune. Un jour, je lui ai demandé, j'ai dit, mais monsieur, comment vous faites pour être si jeune? Il dit, tu veux savoir mon secret? Ok. Je ne bois pas, je ne fume pas, je fais du sport. Et le voilà, je le retrouve. Comme avant. Les personnes du troisième âge n'ont pas toujours cette santé de fer. Elles ont la santé très fragile du fait de leur âge, d'où cet enseignement sur le diabète au cours de cette journée. Une initiative du ministère en charge des affaires sociales et de l'association des personnes du troisième âge en collaboration avec l'ONG de lutte contre le diabète. Aujourd'hui, le diabète, on peut le définir comme la maladie des personnes qui mangent, qui ont une mauvaise habitude alimentaire et qui sont sédentaires, c'est-à-dire qu'ils ne bougent plus. Pendant leur jeune âge, ils ont été beaucoup actifs. Et à partir de 50 ans, 55 ans, il y a une baisse d'activité physique. Alors il faut maintenir le corps en activité. En marchant, tu marches, tu n'arrêtes pas de bouger. La célébration de la Journée internationale des personnes âgées a été instituée en 1990 par les Nations Unies. Et en Côte d'Ivoire, elle est à sa première célébration officielle. Et puis le ministre de l'Emploi veut construire le système de formation professionnelle et technique en fonction de la demande. En collaboration avec l'UNESCO, donc, un atelier de réflexion a été initié en vue de mettre en place des stratégies de réforme pour la cause. Franck Wadio nous en dit plus. Selon le Bureau international du travail, chaque année, ce sont plus de 4000 jeunes diplômés qui se présentent sur le marché de l'emploi en Côte d'Ivoire. Un marché où l'offre n'obéit toujours pas à la demande. Vraiment, je me pose la question surtout, après ma formation, est-ce que je peux exercer ce que j'ai commencé depuis mon bas âge quoi. Des inquiétudes légitimes, l'UNESCO propose des solutions. Comme vous le savez, la première phase du CAPIFE a permis d'identifier les 15 filières dans le domaine de la formation professionnelle et de voir comment les curricula peuvent être améliorés afin que nous puissions réellement former des jeunes qui trouvent un emploi sur le terrain. Pour les acteurs de l'enseignement professionnel, ce programme a rejoint les ambitions du gouvernement dans sa politique d'insertion des jeunes. Un gouvernement responsable ne saurait se permettre de former des jeunes pour le chômage. Et d'ailleurs, c'est pour résoudre cette équation qu'au niveau du ministère en charge de la formation professionnelle, nous entendons définir des filières de formation à proposer aux jeunes gens qui répondent effectivement aux besoins du marché du travail. 4 jours, c'est le temps que se sont donné les acteurs du secteur de l'enseignement professionnel, partenaires au développement, en vue de trouver les outils capables d'apporter des réponses aux problèmes de l'adéquation formation-emploi. Construire un partenariat école-entreprise à travers la structuration des branches professionnelles, l'élaboration de la cartographie des métiers en vue de combler les besoins en compétences de l'économie ivoirienne, c'est le pari que veulent tenir les initiateurs de ces réflexions. Et puis sachez que 3 mouvements rebelles Touareg et arabes ont annoncé leur fusion. Ce sont le MNLA, le mouvement de l'Azawad et le Haut Conseil pour l'autorité de l'Azawad. Ils entendent présenter un front uni dans les discussions de paix à venir avec Bamako. Ces discussions ont eu lieu à Ouagadougou. Hommage à Ghislaine Dupont et Claude Verlon, les 2 reporters de RFI assassinés par un groupe terroriste à Kidal, dans le nord du Mali. Les corps ont été rapatriés aujourd'hui même à Paris. Les 2 journalistes ont été décorés de l'Ordre national du mérite hier au Mali par le président malien Ibrahim Boubacar Keïta. Cet avion militaire français arrive directement de Kidal. À bord, les corps de Ghislaine Dupont et Claude Verlon, les 2 journalistes de RFI exécutés samedi au nord Mali. Sur le tarmac, plusieurs officiels maliens, dont le Premier ministre, aux côtés des journalistes de la radio. Un peu plus tard, la direction de Radio France Internationale atterrit à Bamako. Sur les visages, le choc et la douleur d'avoir perdu leurs collègues froidement assassinés.
C'est pas possible qu'on fasse ça. Et puis je me réhabitue à l'idée, puis elle m'échappe, et quand ça me revient, je crois pas que c'est possible. C'est dans des conditions comme ça, quoi, voilà. Ça me passe pas. J'ai besoin de savoir qu'ils sont là, les deux, et qu'on les ramène. Les dépouilles seront rapatriées mardi matin à Paris, où une autopsie sera réalisée. 3 jours après ce double meurtre, l'émotion est toujours très vive. De Bamako à Paris, les messages de soutien arrivent du monde entier. Hommage ému ce matin des journalistes de Radio France à 2 confrères du service public, 2 professionnels de l'information. On a les mêmes valeurs, on a les mêmes exigences, les mêmes devoirs. Et c'est ça aussi qui nous atteint très très profondément depuis samedi. Ce ne sont pas les barbares, les salopards, on peut dire, qui vont nous faire taire. Donc c'est pour ça que nous avons décidé de continuer à aller sur ce genre de terrain, même si c'est parfois difficile. Dans l'Assemblée, beaucoup de journalistes et de techniciens de Radio France, larmes aux yeux, solidaires de leurs confrères assassinés. Ce qui leur est arrivé, c'est horrible. C'est comme si c'était arrivé à notre rédaction, à nous, parce que ce sont des gens qu'on connaît, qu'on côtoie depuis des années. On est tous sous le choc. Claude Verlon, Ghislaine Dupont, c'était la passion du reportage en Afrique, comme ici il y a 13 ans en Côte d'Ivoire. Jusqu'au bout, ils ont cherché la vérité au péril de leur vie. Le premier chef d'État de Côte d'Ivoire. La cérémonie d'hommage aux 2 journalistes se déroule en ce moment même au siège de RFI à Paris. Témoignage des collègues de 2 journalistes. En bref, au Niger, 72 migrants nigériens de retour de l'Algérie ont été sauvés dans le désert par un convoi officiel. Ils cherchaient à rejoindre l'Algérie. Et puis en République démocratique du Congo, les rebelles du M23, très affaiblis, demandent l'arrêt des combats. Ils mettent fin à leur rébellion après la perte de la totalité des territoires dans l'est du pays, passés entre les mains de l'armée congolaise. À Madagascar, 10 jours après le premier tour de la présidentielle malgache, la collecte des bulletins de vote a pris beaucoup de retard. À peine plus de 50% des votes ont été comptabilisés, une lenteur qui s'explique notamment par la difficulté d'accès à certaines zones enclavées. À 1 heure de vol d'Antananarive, Ambatoumainti. Nous sommes dans une des régions les plus enclavées de Madagascar, difficile d'accès par la route. Ici, comme partout dans l'île, on a voté. Mais la collecte des résultats prend du temps. Elle se fait par hélicoptère. C'est une région très isolée. Les bulletins ont été récupérés dans tous les bureaux de vote de la région. Ils ont été transportés jusqu'ici par charrette. On a tout centralisé à Ambatoumainti. Le transport s'est fait sous escorte de la gendarmerie, la police et l'armée. Le précieux chargement, le voici. Quelques ballots avec à l'intérieur des bulletins et les procès-verbaux de tous les bureaux de vote du district. Ambatoumainti n'est pas une exception. 5 hélicoptères fournis par la SADC sillonnent la grande île pour accélérer la collecte des bulletins. 500 bureaux de vote sont ainsi collectés. L'arrivée est proche. Il faut un peu plus d'une heure d'Ambatoumainti pour rejoindre la capitale à 700 km. Une fois à bon port, les ballots sont débarqués, puis emmenés au siège de la commission électorale. Ici, on travaille jour et nuit. Les équipes se relaient pour saisir, contrôler, valider les résultats. Tous les résultats sur l'ordinateur ont une copie. C'est le procès verbal écrit à la main. Il faut que les 2 soient conformes. Ensuite, nous validons et c'est comme ça que vous pouvez voir l'évolution des résultats. Il faut faire vite. La collecte a pris du retard et chaque jour qui passe éveille des soupçons de fraude. Après validation des 2 tiers des bulletins, un second tour se dessine. Il devrait mettre face à face Jean-Louis Robinson et R. Razonari Mampion. Les résultats complets seront annoncés vendredi. Et puis le régime syrien affirme ne pas aller à Genève pour céder le pouvoir. L'opposition et ses alliés continuent de poser comme condition sine qua non à leur venue le départ de Bachar al-Assad. Le régime syrien, lui, ne l'entend pas de cette oreille. Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Portez-vous bien.